bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo, nouvel épisode sur Mario RPG Legend of Seven Stars. On est arrivé au lac côté tard, donc on y retourne, j'étais parti sauvegarder juste en amont et on est reparti au lac au Tétor. On peut leur parler au bar à soda. Tu as une carte de membre? Ah ouais. Oh, on peut acheter, d'accord, il y a des trucs. Tétard Cola, qu'est-ce que c'est que ça? Toute l'équipe récupère 30 PV. Ah, c'est pas mal ça. Prenons-en deux. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Comptoir battra. Si t'as 7 pièces grenouilles, on peut les échanger contre des objets exclusifs. Alors, une bombe somnolente. Endort tous les ennemis, augmente la défense d'un allié en combat. Augmente l'attaque d'un allié en combat. On a 8 pièces grenouilles hein, pour ceux qui se posent la question. Fortifiant en général. Augmente la défense de toute l'équipe en combat. Et augmente l'attaque de toute l'équipe en combat. Ok, donc on prend rien. On verra plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose par là? C'est vrai qu'on n'est pas venu là l'autre fois. Oh, j'ai avancé. Bah, attendez. Il y en a un qui était là. Dovski, il veut être aussi brillant que toi. Il veut devenir compositeur. La suite numéro 18 de Batracius, c'est son numéro préféré. Seul l'ami Redoré Doré. Je suis sûr que toi, Dovski, adorerait. Eh ben, écoute, peut-être. Peut-être. Allons voir un petit peu la baie mélodie. Quand vous sautez sur les tétards, il joue des notes. Essayez de créer une mélodie. Ah ouais, alors attends. Sol. Oh, mais il faut que je le note, ça. Sol, l'ami, ré, do, ré, do, ré. Sol, l'ami, et après, ré, do, ré, do, ré, do. Alors. Ah ouais, mais d'accord. Ah ouais, mais comment je fais pour savoir les trucs, là? Toi qui a composé ça? Ouais, c'est moi. Ok. Ouais, mais comment je fais pour savoir les notes? Donc ça doit être... mais comment je fais? Do... Là, c'est chou. Do. Admettons, ça doit être un truc dans le genre. Je pense que c'était nul. Bon, bah j'en sais rien. J'en sais rien. Je m'y intéresserai plus tard, en plus je sais plus ce qu'elle voulait, l'autre sol Mila. Non, sol l'ami, genre ça, on sait rien. C'était quoi déjà? Sol. Sol l'ami. Do, ré, mi. Fa. Sol. La, si, do. Ouais, mais... Ouais. Bon, je verrai plus tard. Donc eux, ils doivent me faire un passage. Et on arrive chez le grand-père donc de Malo. Ah, vous voilà dans mon sanctuaire de sagesse infuse. Approchez. Nous approchons. Bien, venons-en aux choses sérieuses. Ce fameux forgeron-roi qui a fait son apparition au château de Bowser. Il doit être un ennemi redoutable. Effectivement, je comprends que tu veuilles aller secourir la princesse le plus vite possible, Mario. Seulement, ce que tu ignores, c'est que Peach n'est déjà plus là-bas. Ah, d'accord. Et où est-elle? Reste calme, je vais tout expliquer. Voici comment les choses se sont passées. Donc il explique tout. D'abord, tu t'es précipité au château pour secourir Peach. T'as vaincu Bowser alors que tu étais sur le point de libérer la princesse. Tu as entendu un terrible craquement et une épée a fendu le ciel. Ok, ça, c'est ce qu'on a fait au début. Pas de problème. Tchac, sans prévenir. Le choc vous a envoyé valdinguer tous les trois. Visiblement, Bowser et Peach sont encore perdus quelque part et toi et moi... Tu t'inquiètes pour la princesse. Quoi de plus normal, mais tu devrais plutôt te préoccuper de Forgeroi. Ses acolytes sont en train de plonger notre monde dans le chaos. D'accord. Blastoc que tu as vaincu au château, Champignon n'était que l'un d'entre eux. Il en viendra beaucoup d'autres. Ah pépé, j'allais oublier, on a trouvé une étoile au château Champignon, ça te dit quelque chose? Une étoile? Très intéressant.
Eh oui, pourquoi donc? Aussi surprenant que cela puisse paraître, les étoiles filantes sont capables d'exaucer certains. Quelque chose me dit qu'elles pourraient avoir un rôle à jouer dans votre lutte contre Forgeroi. Mais je parle, ça ne fait pas trop d'informations, je peux récapituler si besoin. Non, c'est bon, vas-y. C'est une situation un peu banale qu'on a sur les bras. Hein. Ben Mario, t'es pas sorti de l'auberge. Si ce Blastoth n'était que le premier d'une longue série, je crois que tu vas pas tarder à regretter Bowser. Ok, Malo, cesse donc de parler comme si tout cela ne te concernait pas. Tu vas accompagner Mario dans cette aventure toi aussi. Ah ben voilà. Hein, voyons, Pépé, ne dis pas n'importe quoi. Je suis juste un simple tétard, pas un aventurier comme Mario. Ah. Malo, mon petit, j'ai gardé cela secret jusqu'à présent, mais tu n'es pas un tétard. Je crois qu'on avait compris. Quoi ? Ah, il y a même un Lakitu. Terrible révélation. Un beau jour de pluie alors que je grignotais un morceau. J'ai aperçu un panier qui glissait sur l'eau poussé par le courant de la cascade. J'ai regardé à l'intérieur et surprise, un bébé. Sur sa ceinture était écrit « Malo ». Pris d'affection pour ce petit être moelleux, je t'ai adopté et élevé comme si tu étais mon petit-fils. Tu étais doté de puissants pouvoirs magiques et je savais que tu étais plus qu'une petite boule duveteuse. J'ai toujours pensé que tu venais de très loin, d'un lieu que je ne connaissais pas. Pépé, tu veux dire que je suis pas un tétard? Ben oui, ce qu'il vient de te dire. C'est triste, mais c'est ainsi. Malo, sèche tes larmes, c'est pas le moment de pleurer. Tu vas accompagner Mario dans son aventure et tu trouveras ta véritable famille. Ton père et ta mère sont quelque part dans ce vaste monde. Crois-moi, les pouvoirs magiques de ce petit ne te seront pas de trop. Tu veux bien qu'il t'accompagne? Ben oui. Pépé! Je pleurerai plus. Je vais partir à l'aventure avec Mario et retrouver ma vraie famille. Voilà qui est réglé. Vous devez vous mettre en route dès que possible. Partez pour Rosenville. Les gens de là-bas ont besoin de votre aide. Ne les faites pas attendre. Ok. Eh bien, c'est y part. Oh, il est triste tout d'un. Ouais, sol, la, mi, ré, do, ré. Sol, la, mi. Oh mais j'y pense, il faut que je vous remercie de m'avoir apporté ce biscuit cricket. Je vais te donner la canne que j'utilisais quand j'avais l'âge de Malo. Ok. Ça peut toujours t'être utile, pas cool. Donc on a la canne. Donc ça doit être un équipement. Gourdin grenouille, exactement. Putain, plus 20 d'attaque? La vache. Mais du coup, 50, il est énervé là maintenant. 50 d'attaque, il commence à être vénère. Il commence à être vénère. Sol l'ami. Putain, je vais retenter. Hein. On va retenter. Ça m'a énervé. Sol l'ami doré. Non, doré. Putain, c'était sol l'ami. Putain, mais j'ai pas de mémoire. Ré, doré. Ça commence par ré. Sol l'ami, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol. Ouais, donc le la, il est juste après. Sol, la, mi. Ré, mi. Et c'était ré, do, ré. Ouais, donc ça, do, ré. Mais non, c'était ré doré. Ah, c'était pas les... Ah, donc... Doré. Le ré, c'est bon, je l'ai juste. Ok, ceux-là, on les ajuste. Bon, on a presque la mélodie, hein. Alors. Oh! Il nous en manque un.
Putain, j'ai failli sauter. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon. Normalement, ça doit être ça. Ça doit être ça. On ajuste. C'est tout bon, on a trouvé. En tâtonnant, mais on y est arrivé. C'est la mélodie que je cherchais. Merci pour l'inspiration. Laisse-moi te donner ceci en échange. Une carte alto. En attendant, bon vent mon ami. Ok. On a eu la carte alto, je sais pas à quoi elle sert. Mais on l'a eu. Quel est cet objet? Une carte de membre pour le bar à soda. Cool. Cool, cool, cool. Donc on peut aller au bar à soda maintenant. Hop. Hop, hop, hop. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire, non. On se dépêche. Pas grave. Bon. Allez. Du coup, on peut aller au bar. Et aller voir, je sais plus qui, la ville de Rosenville, c'est ça? On a, il y a la Rosenville. Donc, on a fini par trouver. J'en ai un petit peu chié, mais... Alors. Ah, j'ai une carte alto. Je vois, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux acheter des tarcolas. Toute l'équipe récupère 30 PV, on en a déjà. Et toute l'équipe récupère 80 PV. Ouais, achetons-en un. Histoire de dire qu'on en a acheté un. Et qu'est-ce que j'ai à vendre? Pas grand-chose. Hein. De l'eau pure. Est-ce que j'en vends un, genre? Non, on va tout garder. On va tout garder. Et en route pour Rosenville, du coup. Allez, la sente de Rosenville. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau? Ces dalles jaunes vous transportent automatiquement quand vous sautez dessus. Vous ne pouvez pas en descendre tant qu'elles sont bleues. Ah oui, non, mais... Faut me laisser le temps que... Faut me laisser le temps. Et si je vais aller vers les autres là-bas? C'est pas possible? Ah si. Faut juste prendre notre temps. Il y a plusieurs chemins? Lui, il a qu'un seul chemin. Oh! Ah, mais c'était un ennemi! J'avais pas compris ça. Étoile giflante. Wow. Bon, on a une carapace de coupable. Putain, j'avais oublié ça. Allez, maintenant, il tape pour de vrai. Nickel! Eh ben, parfait. Il y a plusieurs chemins. On a plusieurs chemins. Merde. Attendez, mais il est super agile, lui. Il se casse. Ok. Bon, et ben... Ok, c'était chaud. On va se faire un masque-casse. Ouais, mais ils attaquent en premier. On va faire une petite foudre. Il faudra peut-être que j'utilise la pub PV en dehors de, des combats quand même, parce que... Parce que voilà. Parce que sinon il va arriver ça. Mais il est solide lui. Mais hyper solide. Attends, est-ce qu'on lui fait ça? Ou est-ce qu'on fait juste ça? Presque vaincu. Allez, c'est bon, on l'a eu. Et une pièce grenouille, magnifique.
Par contre, technique, ouais. Utilisons la pluie de PV. Ah, il faut que je fasse Y direct. Ah, eux, ils me saoulent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok. Je sais pas du tout où on va. Hein. J'ai l'impression qu'on s'est perdu. Mais... Ah! Faisons confiance à la Cistoad. C'est pas le machin de poussière d'étoiles, ça. Pluie d'étoiles. Oh bah ça one shot tout le monde. Perfecto. On a perdu tout notre boost. Harry. Ils sont solides les masques. Bon. Je joue la musique de le thème de Mario. Mais on fait pas de dégâts en fait. Oh, ils sont incroyables. Ah quand même. À une pièce grenouille. Ça c'est cool. Oh non! Ah, il y a trop de combats, moi je trouve. Mais c'est vrai qu'ils passent vite, donc on les fait quand même, mais peut-être un petit peu trop. Attends, il en reste un. C'est juste des pièces. On s'en va. Où est-ce qu'on va? On a vu une armée de Goomba là-bas. Ah mais il y a Bowser. Avec des Kamek. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait tous les chemins. Peut-être que je reviendrai en arrière pour faire les chemins qu'on n'a pas fait. Ok. Donc des Goomba, des Koopa, des Kamek. Bien, il est temps de vous autres. On a un château à récupérer. Koopax, chef des guerriers à Carapace. Majek, mage des sorciers à capuche. Ok. Et toi, Goombild, dame de cœur de nos fidèles Goomba. Ok. Notre heure de gloire approche. Ensemble, nous sommes invincibles. Le pont s'est effondré, mais nous trouverons bien un autre moyen de rentrer. En route! Ils se mettent en marche, l'armée de Bowser, telle l'armée du Mordor se met en route. Mouh ! On dirait que Bowser et ses sbires essaient de rentrer chez eux. Bien, Frozenville est juste un peu plus loin. Il y a des trucs qu'on n'a pas fait, ça c'est sûr. Je reviendrai à l'occasion. Alors. Ah mais est-ce que je fais Frozenville ? Attendez, mais du coup on va essayer de faire le petit chemin qu'on n'a pas fait. Ah mais je reviens de là du coup. Ah ouais mais c'est chiant. Je peux pas revenir en arrière. En plus tout se ressemble, je sais pas trop les chemins. Bon c'est pas grave. On arrive à Frozenville. Les flèches sont tirées de la forêt. Et comme tu peux le voir, une fois touché on reste paralysé. Je peux plus bouger le moindre muscle. Ah, mais ça c'est les masques. Une pluie de flèches s'est abattue sur notre ville. Ah ouais. Donc ça c'est encore autre chose.
Donc voilà l'auberge. Mario, au secours. Ah, oh, et Mario, Peach est avec moi maintenant. Ah, mais il joue à... D'accord. Super saut. Ok. Je crois pouvoir me battre avec une attaque aussi minable. Viens, Peach, tu rentres avec moi au château. Oh, il fait gagner Bowser. Boss. Hein? C'est ma... Ma... Maman, il y a un client. Oui, oui, je m'en occupe. Bonjour. Mais c'est Mario. Mario. Ouais, je te fais une dédicace. T'as la casquette, t'as la moustache, ok, mais est-ce que t'es vraiment le vrai Mario? Le vrai de vrai. Comment je peux en être sûr? Il me faudrait une preuve. Allez, je vais sauter. Oh, t'es vraiment le vrai. Dis, tu veux bien jouer à sauver le monde avec moi? Allez. On doit se reposer, maman. T'es pas drôle. Et puis, je joue... Tu joues jamais avec moi d'abord. Ah, elle est belle la jeunesse. Mario, est-ce que tu voudrais bien jouer un peu avec mon ami? Avec toi, Abby. Jouons un petit peu avec toi, Abby. Bon, Mario s'est fait battre. Donc, t'as qu'à faire Bowser, ok? Moi, je fais Geno. T'es prêt? On reprend là où j'en étais tout à l'heure. Tatata, fini de rire. Fais tes prières, Bowser. Geno va te mettre une raclée. Prends-toi ça, paf! Hey Bowser, c'est à toi. Oh non, si ça continue comme ça, je vais pas faire long feu. Tant pis, tu l'auras voulu. Goûte un peu à ce super méga ultra gigantistiquement puissant tir d'étoiles filantes. Ah ouais. Oh zut, j'ai mal visé. Oh là là, Mario, est-ce que ça va? On s'est fait mettre KO. On s'est fait mettre KO. Ok. Donc, que se passe-t-il? Et voilà, il a pris vie, tel Pinocchio. Geno est en vie. Donc le pantin qui va faire partie de notre équipe. Incessamment, bah là il n'arrive pas à marcher, il apprend à marcher. Passage très intéressant. Et Mario se réveille. Allez. Youpla, ça c'est gratuit. Allez, on est reparti. On redescend. Maman, tu vas jamais croire ce que j'ai vu. C'était trop bien. J'ai vu Geno partir dans la forêt. Cool. Hein, c'est merveilleux, mon chéri. Geno, c'est celui qui a cassé la lampe la dernière fois, non? Non, ça c'était pour de fou, alors que là c'était pour de vrai. Je te jure que c'est pas des histoires, je l'ai vu dehors. Ok, dis-moi toi, Abby, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as cassé cette fois? J'ai rien fait, j'ai juste vu Geno marcher en direction de la forêt. Allez, ok. Ben, nous on va aller voir ça. On va aller voir ça, mais faisons un petit tour du village d'abord. Ok. Je sais pas si c'est une boutique où on pourra acheter des trucs. Mon petit-fils qui est pas rentré. Ah, voilà la boutique. Qu'est-ce que vous avez à me vendre? Les champignons, du sirop de miel, sirop de vie, en prendre deux. Voilà, voilà, voilà. Ah mince, je sais pas. Hop, retournons dedans. Alors,
une salopette robuste et un caleçon robuste. Écoutez, on va acheter les deux. Oui. Et ça. Oui. Magnifique. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans... On peut rentrer comme ça. Et une fleur magnifique. Superbe. C'est le cadeau. Qu'y a-t-il dans cette maison? Pas grand-chose. Il y a un truc en haut. Et je peux pas y aller là-haut. Il n'y a pas un moyen de... Non, il n'y a pas de moyen. Bon, allons dans la forêt. Mais il va pas dans la forêt, là. Là, on ressort juste. Ah, dédale de la forêt. Très bien. C'est notre prochain point de passage. Un champignon. Bon, on va sûrement trouver plein de champignons. Rentrer là-dedans. Faisons-nous le Wiggler, tiens. Et un Gonkédong. On a foiré notre coup. On a foiré notre coup. Ça, c'est imbloquable. Oh, Mario, il a pris tarif. Une plus PV sur Mario. Ben, ça chauffe. J'arrive pas à le bloquer, ça. Et j'ai plus le timing. Il a plus de PV sur lui-même. Et le bon petit dong, il frappe fort. Oh putain, j'arrive pas à bloquer. Hein. Allez, prends-toi un petit champignon. Ouais, là, on a mieux bloqué déjà. Voilà, ça c'était bien. 7 d'XP. Ah ouais, il donne beaucoup. Hein. On rentre là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Un petit champipi. Ah non, c'est un ennemi. Bon, on va s'en faire un pour voir. On a envie de voir tous les ennemis. On s'est transformé en champignon. Ok. Ah ben, je vais avoir deux champignons. Parfait. Ouais, mais là. Ouais, mais là. Ok, ça nous soigne, hein, mais. Non, je vais juste faire ça. Bon. On l'a eu. Plus la petite pièce grenouille. Qui va bien. Impeccable. Mais on va l'esquiver.
Ok. Je peux m'accrocher à ça. Non, je peux pas. Ok. Je sais pas où c'est qu'on va atterrir. Si j'arrive à monter dessus. Ok. Bon, bah, on a esquivé la... Mais il a l'air d'y avoir plein de chemins là. Faut que je trouve le bon. Bon, peut-être celui-ci. Ah, ça a l'air d'avoir fait quelque chose. Ah bah ça l'a énervé. Ça a ouvert un passage, non? Je sens pas qu'il y avait ce passage. Que je suis pas revenu au début, tout simplement. Bon, bah non, lui il s'en fout. Lui il s'en fiche. Un champignon, ça. Ouais, ok. Là, on n'est pas venu là. Caisse à champignons. Ah, quand on a trop d'objets. Ah, genre, je peux utiliser un champignon, alors. Oula. Ok. Et on a l'air de sortir de la... Pas encore. Ah, voilà, Geno. Attendez, je vais me faire une abeille. On s'en est pas fait d'abeille. Allez, petite assistante, qu'est-ce que c'est que ça? Un champignon doré. Ah, c'est un champignon où on est plus fort. Oh, le mur de flamme. Ah, 110 dégâts. Ah ouais, c'était la méchanceté. Très bien. Donc Geno, on a vu, il est parti par là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, il y a forcément d'autres choses, mais... Faisons-nous celle-ci, pour le plaisir. On est empoisonné. Et voilà. Impeccable. Donc Geno, il était parti par là. Ah non. Que je fais un... Ouais mais non, parce que... j'ai plus beaucoup de... trucs là. Ouais, nickel. Nickel. Donc encore par là. Il va d'en haut. Il va aller à gauche. Ok. On a l'air d'être arrivé à destination. Voilà, magnifique. Ensuite. 1000 flèches. Starbuck qui parle. C'est tellement drôle de les voir s'affoler. Je vais en tirer 1000 de plus, tiens. T'as entendu, Mario? C'est sûrement ce type qui fait pleuvoir des flèches sur Rosenville. Bon, allons l'éclater. Oh. J'adore voir la tête qu'ils font quand ils sont pétrifiés. Gna gna gna, c'est trop drôle, non? Trop drôle, on dirait des statues. Gna gna, comme c'est amusant, je vais continuer. Non, on va pas te laisser faire.
Il faut faire quelque chose. Ne restons pas plantés là. Eh mais attends, on va pas y aller comme ça. Juste avec nos petits points. Ils sont trop nombreux, on fait pas le poids. Qu'est-ce qu'on va faire? Zut, quelqu'un vient, cachons-nous. On apprendra peut-être quelque chose. Oh, une étoile. Une étoile verte, la deuxième étoile. Il nous la faut absolument. Donc c'est le gardien de la clé. Enfin, de la clé de l'étoile. Regarde ce que j'ai trouvé, Starbuck. Nien, nien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens-le bien, je vais y décocher une petite flèche pour voir. Arrêtez! Vous ne savez pas ce que vous faites. Rendez-moi cette étoile. Oh, c'est Geno. Ouais, pour qui il se prend, celui-là? Je vais te montrer qui décide ici. Alors, on fait moins le malin. Dis-moi, qui es-tu? Je suis là au service d'une autorité supérieure. Ce fragment d'étoile ne t'appartient pas. Tu ne peux pas le garder. Je fais ce que je veux. Ah ouais. Je vais te donner une leçon. Oh, il tire des flèches. Et du calme. On va venir l'aider. On va venir l'aider. Mario, si on y va maintenant, on va s'en prendre plein la poire. Tu veux aller l'aider, pas vrai? Remettre ce gna 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 à sa place? Sauver le type en bleu? Ouais, on va le faire. Moi aussi. Je ferai tout ce que je peux. Mais depuis ici. Non, non, pas depuis ici. Allez, on y va. Je n'ai pas peur. Et je vais pas pleurer. Bah non. Oh non. Et c'est parti. Arrête, ça suffit. Ouah, tu es fort. Mais je suis bien plus fort que toi. Je vais t'écrabousiller. T'écrabousiller carrément. Adieu. Et voilà, Mario est arrivé. Nickel. Merci pour le coup de main. Mais qui es-tu? Mario, tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. T'es tombé, c'est vrai. On se connaît, non? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Ah, t'es le célèbre Mario? J'ai entendu parler de toi. Allô? Vous vous prenez pour qui? Oh. Ah, il a du flow. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, qui attaque? C'est au tour de, donc, de Geno. Alors, Geno Rayon. Geno Rayon attaque un ennemi avec un rayon. Relâche A juste avant la décharge. On va essayer. Ok. D'accord. Lui, technique de mentaliste. On va voir un petit peu ce que notre ami a dans le ventre. 612 PV et aucune faiblesse. 3 contre 1. C'est pas juste fiction, une nouvelle règle. Je vais tirer une flèche. Si elle touche une cible, bouton correspondant sera bloqué. La cistoide aussi est bloquée. Le combat à la loyale juste entre nous. Les règles s'appliquent pour moi aussi. Alors ne venez pas pleurer. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Bon, c'est pas grave. Mettons un champignon à celui-là. Assure-toi-même. Et toi, tu fais une petite attaque. 612, ouais, il va falloir être un petit peu mieux. On doit être à 590. Donc là, on n'a plus de technique. Ok. Oh, j'ai foi. Non, ça va, j'ai réussi. Ah, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pas d'effet. Très bien. Oh, si on lui fait 100 dégâts par tour, ça devrait le faire. Hein. Il a bloqué ça, donc maintenant. Des attaques. Est-ce que je lui fais... Ouais, je pourrais lui faire faire Geno Rayon. Ce qui m'a l'air intelligent. Ah ouais, mais non, mais attendez, je... Ouais, c'est pas grave.
ce que je fais, des petits champignons. Petit champi. Mélo, faut que tu prennes un sirop de miel. Hein. Là, on prend cher. Là, on prend cher. On lui fait faire une boule de feu. Non, je pense qu'il faut pas lui. Je pense qu'il faut continuer. Ah, mais toute l'équipe récupère. Ah, ouais, c'est vrai que j'ai ça. Ben, faisons ça. Gratis en plus, cool. Cool, cool, cool. Hop, ça c'est bon. Et puis là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Allez, change de bouton. Bah, nickel. Nickel, comme ça, on fait juste les attaques de base. Lui, il va faire sa petite foudre. Et il fait aucun dégât. Aucun dégât. Ok. Fais un petit mental. Je veux voir où on en est. Je pense qu'on est pas mal, on doit pas être très loin. 108, nickel. Ouais, il lui reste un petit tour. On va y aller tranquille avec la technique donc de Geno. Voilà. Fait 60. Une petite boule de feu. Ah, ça a pas fait l'effet escompté. Des petites pluies de PV, j'ai envie de dire, sur lui. Et puis on finira tranquille avec une attaque basique. Mario a failli mourir. Un petit Génorayon. Il va le tuer. Voilà. Et normalement, c'est bon. Bah, c'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Je vais bloquer tous les boutons pour la peine. Mais non. Tout est bloqué. Qu'a-t-on fait ? On peut rien utiliser. Pas d'attaque, pas de technique et pas d'objet. Écoutez-moi, nous avons montré que nous sommes une équipe soudée. Joignons nos forces, nous allons montrer ce dont nous sommes capables à trois. Ah, les fameuses attaques combinées. C'est gentil de m'expliquer vos techniques. J'ai plus qu'à faire tout pareil. Sauf que j'ai personne avec qui faire équipe. Vous pouvez désormais effectuer des actions en trio. Il faut juste que la jauge soit remplie à 100%. Pour cette fois, nous, on vous remplit gratis, cadeau de la maison. Et le surf stellaire. Donc en fonction du trio, on aura des attaques différentes. Oh, c'est du style, ça. Rainbow Road. Et voilà. Et voilà le boss zigouillé. 50 pièces, 20 XP, un niveau pour Mario. Et grand bac à fleurs, on a obtenu. Je sais pas ce que c'est, mais on l'a obtenu. Mario, comme d'habitude, tout dans l'attaque. Tout dans l'attaque. Nickel. Merci à tous les deux. Je vous dois une fière chandelle. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous savez que je suis pas un simple pantin, non? En vérité, je viens des sphères supérieures. Ce corps n'est qu'un habitacle temporaire. Ok. Tu veux dire que tu viens du ciel? Non, bien plus loin que le ciel. Vous avez déjà entendu parler de la route des étoiles? Non, visiblement. Eh bien, sachez que rien ne va plus là-haut. Et malheureusement, ça vous concerne aussi. Laissez-moi vous expliquer. Ça vous est déjà arrivé de faire un vœu en voyant une étoile filante? Bah oui. Et bien sur la route des étoiles, les vœux sont transformés en étoiles. Et quand un vœu est exaucé, son étoile est envoyée dans votre monde sous forme d'étoile filante. Bref, la route des étoiles joue un rôle crucial dans la réalisation des vœux. Seulement, une épée géante a détruit cette précieuse route, et depuis c'est le chaos. La création d'étoiles est à l'arrêt.
En l'état actuel, les vœux formulés en ce monde ne peuvent plus être exaucés. Mais alors, cette étoile, c'est un fragment de ta voûte des étoiles ? C'est la route des étoiles, pas la voûte des étoiles. Mais oui, c'est bien un fragment de la route des étoiles. Ma mission est de retrouver tous les fragments tombés dans ce monde, afin de réparer notre précieuse route. Et ces fragments sont au nombre de 7. Pour que la paix revienne, nous devons débarrasser ce monde de forgerois, trouver les fragments et réparer la route des étoiles. Bon, ça nous fait déjà 2 fragments. Je m'appelle... Ouais, un nom imprononçable dans votre monde. Alors appelez-moi Geno, comme le pantin. Je l'ai choisi lui, parce qu'il avait l'air plus fort que les autres poupées. Sur ce, prends cette étoile, Mario. Ok, on est le gardien de l'étoile. Voilà, voilà. Donc, la deuxième étoile est Geno, qui fait partie de l'équipe. Donc, beaucoup de choses dans cet épisode. Magnifique. On en a 2 sur les 7. C'est parfait. Et voilà. En route, nous avons beaucoup à faire. Geno, qui est à la recherche des fragments de la route des étoiles, a rejoint l'équipe de Mario et Malo. L'union fait la force. Parfait. Bien. Et maintenant, par où on repart ? Par là-bas. Oh, j'ai tout entendu. J'aurais jamais imaginé que cette étoile était si précieuse. Il faut que j'aille prévenir Forgeroi. Le voile est enfin levé sur le mystère des étoiles filantes. Retrouver les fragments d'étoiles et ramener la paix dans le monde de Mario. Très bien. Très bien, très bien. Donc j'imagine qu'il faut aller par là. Et que se passe-t-il? Et que se passe-t-il? On doit aller où? Ah, là-bas, il y a un petit drapeau. Donc j'imagine que... Crypto-tuyon, on l'a pas fait, hein. Mais non, on l'a pas fait. Et encore moins la Taupini. Bah écoutez, on se fera la crypto tuyau la prochaine fois. On va aller à Rosenville, on va aller sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ma foi, c'était riche. Oh, attendez, il se passe un petit quelque chose. La lumière est revenue, fabuleux. Donc si bien, maintenant, je peux monter là-haut. Toujours pas. Je peux toujours pas aller là-haut. Bon, bah tant pis. Allez, voilà. Donc là, normalement, à l'auberge, il y a toujours de quoi sauvegarder. Ah, il se passe un truc. Geno, tu es revenu? Ma main! Ah oui, elle le croyait pas. Alors, qu'est-ce que je disais? Tu vois bien? J'avais bien vu Geno pour de vrai. Le costume est très réussi, mais qu'est-ce qu'il doit faire chaud là-dedans? Laisse tomber, ma main. Mais j'ai une idée, on va jouer ensemble, Geno. J'aimerais beaucoup, mais je dois aller chercher des fragments d'étoiles avec Mario. Des fragments d'étoiles? Pourquoi faire? Voilà, c'est une longue histoire. Voici ce qui s'est passé, mon petit Toabi. On lui explique tout. Ok. Ça, c'était avant et maintenant, c'est plutôt... Ah ouais, du coup, plus de vœux. Comme ça, tu me suis? Ouais, du tout, j'ai rien compris. Il a rien compris. Disons que si on ne fait rien, tes vœux ne seront plus jamais exaucés. Ah, quoi, par exemple? Que je serai jamais aussi fort que toi, même quand je serai grand? Non, pour ça, il faut retrouver tous les fragments d'étoiles et réparer la route des étoiles. Très bien. Allez, on va chercher les fragments d'étoiles. C'est vrai que Mario est pas très fort contre Bowser, mais donc il vaut mieux que tu l'accompagnes. Au fait, j'ai vu un truc brillant tomber quelque part du côté de Taupini. Je crois que ça pourrait être un bout de tes étoiles que tu recherches. C'est fort probable. Taupini sera donc notre prochaine destination. Merci de m'avoir prévenu. Bonne chance, vous devez absolument réparer la route des étoiles. J'ai plein de rêves, moi, et je veux qu'ils se réalisent. Très bien, mais ouais, maintenant, c'est bon, on peut y aller. Encore un truc, quoi donc? Ah, il va nous donner quelque chose. C'est pour toi, Geno, tu veux bien le prendre. Vous avez reçu doigt pétoir. Ah, une nouvelle arme? On se reverra de notre tour. C'est bon. Alors, attendez, parce qu'on a chopé plein d'objets. On a chopé... c'est sûrement des équipements là. Ok. Je sais pas le grand bac à fleurs ce que c'était. Si vous savez. Parce que moi je sais pas du tout ce que c'est cette histoire de grand bac à fleurs. Hein.
Alors, est-ce que ça peut être un truc doigt pétoir, ça c'est pour lui. Protection, il en a pas. Et accessoire, on va lui mettre le... Ah, le badge antidote, ça lui plus de défense. J'avoue que l'anneau d'alerte, il est cool aussi, mais... Allez, badge anti-mutation, comme ça, ça lui fera plus de défense. Y a pas un point de sauvegarde, hein? Si, semble bien. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui, les amis. On se revoit très rapidement pour la suite de Mario RPG. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!